Alors, nous revoilà, je suis dans l'avenue de Triton. Je me suis dit pendant le chemin, et si on faisait sa quête pour aller après affronter le boss qui est en bas en fait. On va aussi affronter un autre boss vite fait. Pas fâché de voir un nouveau visage. J'ai fort à faire ici et j'ai pas l'impression que les choses vont s'arranger. Eh ben. Les morts vivants ont attelé avec eux ces corbeaux qui dévastent nos champs. Nous devons fabriquer des épouvantails pour faire fuir les corbeaux. Il nous faut tout d'abord du tissu pour fabriquer le corps des épouvantails. Tu en trouveras sur les hurleurs écarlates. Ouais. Pourrais-tu t'en procurer? Me dis pas que c'est pas tout de suite la quête. Mince. Bon bah, ça je ferai en off. Cette quête, je la ferai en off. C'est quoi ce people? C'est quoi ce monde de monstres? Enfin, bref, bon. On va essayer d'affronter un de ces monstres. Ah, là-bas, 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 vite! Youf! Lui, c'est un école, il est fou, je crois. Bon, on verra ça. Ouais, si, il fait partie de l'école des feux. Bon, voyons, qu'est-ce qu'on fait? Prends celui de droite. Ok. Putain, j'ai fait un flip. Aïe. Putain, c'est mon sort. Salut. Putain, si je savais là, si j'étais en train de filmer. Enfin. Ah oui, il veut dire se prendre de la vie. Bah, attends, je vais un peu le protéger. Je vais le protéger. Je sais pas là combien de boucliers là il a maintenant. C'est moi qui l'attaque là. Oh, il va prendre cher maintenant. Allez. Voilà. Une carte trésor. Carte trésor 2. Oh, de la banshee. J'ai reçu un meuble et une friandise. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as obtenu une carte trésor. Une carte magique à usage unique. Quand une carte trésor est utilisée en combat, elle disparaît définitivement. Mmh. Ah, merde. Les cartes trésor ont une pourrette pour pouvoir... Si le sort voilà, associé sinon ça allait faire encore que blabla. Pas de panique. Cette carte ne disparaîtra pas.
Libre à toi de chanter de me diriger à nouveau. C'est quoi cette masse de monstres? Allez, hop. Ouais, 13 pièces. Il y en a pas. Ouais, j'ai affronté le bon. Désolé. Aïe, ils ont oublié de faire un plan. Oh. Là, le double plan. On va pouvoir s'en faire 3 d'affilée, putain. Qui a le moins de points de vie? Oula. Je vais le protéger un peu, lui. J'ai bien fait de le protéger à ce que je vois. Aïe. Sinon, il était mort. Enfin bref, quelle on attaque. Je vais attaquer... Attends, c'est sur qui? Ah, d'accord. Bon, enfin, moi, je vais attaquer celui-là. Putain, il a combien de power, pif? Oh, il vient d'utiliser l'ouragan! Aïe, 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 bug, bug, bug. Ah, voilà. Putain! C'est quoi ce monstre de... What? Oh merde, il y a un monstre qui vient de s'inviter là. Bon bah, je vais l'attaquer. Ah bah lui, il s'est cassé. Ah non. Oh, il a utilisé quoi comme ça pour ça, pour l'attaquer lui direct, c'est comme ça. Enfin bref. Trois d'un coup. Dommage, je voulais utiliser ça. Allez go. 5. Ouah. Masse. Voyons. Plus 3 en défense. What? Oh. Oh lol. Oh putain. Oh putain, c'est quoi cette carte trésor? Allez go, sinon. Attends, voilà, I. Ah non, c'est pas ça. Ouais, c'est P pour les cartes. Voilà. Oh non, c'est con, ils sont en train de prendre les mauvais monstres. Allez. Toi, il est là. Allez, putain, on en a vaincu 3 d'un coup. Bon allez, moi je vais me mettre pour le moment une petite protection de la foudre, me protéger de cette sorte de foudre. Maintenant, on va utiliser l'alphelin de feu. Ah, j'ai décidé un peu de me protéger alors. Plus 30, moins 60. Aïe. Ça fait quand même mal. Voilà, ça lui a pris cette pièce. Maintenant, je vais mettre une pièce de glace. Comme ça, après, je vais lui faire un gros dégât. Mais d'abord, ben, je vais me soigner d'abord. Ça sera mieux. En plus, il se prend cher avec le sort.
déjà mieux. Top, il aurait bien voulu. Bon, allez, hop, on va l'attaquer direct. Bon, bah, elle est déjà morte. Ah non. Je croyais que ça allait le tuer, mais non. Il m'en reste 12, aidez-moi. Oula. Bon, on va faire un petit final comme ça avec un gros soir. Il y a eu un petit lag. Putain, on gagne plein de trucs. Merde. Référence au fond du dragon. Et... Attends, allez, go. Et quoi? Putain, il y a lag. Voilà, vous pouvez que me rendre des points de vie. Attends. Oh mince, j'ai pas fait gaffe, j'ai déjà vaincu. Attends, Ah non, c'est juste qu'elle était pas en quête principale. Putain. Voilà. C'est juste qu'elle était pas en quête principale. Et voilà. Déjà, je vais protéger. Et lui, c'est un abonné. Lui, il s'est abonné au... Il a payé un abonnement pour le truc, à ce que je vois, vu qu'il avait deux petites étoiles sur son nom. Oula! Aïe, 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 aïe. Ah, sort de l'harmonie. Ah, ça lag. Punaise, l'événement fait tout laguer. Enfin bref, go go go. Bah, toi je vais terminer. Ah ah, il a fait un flop. Au moins j'ai pu le protéger comme ça un peu. Ouah, ça va faire mal. Putain, pas autant que tout à l'heure, mais ça fait mal. Oh mince! Il y a un monstre qui s'est ajouté seulement que plus tard. Quoique, c'est déjà pas mal. Allez. J'ai envie de l'achever, s'il vous plaît, laissez-moi l'achever. Ah, oui. Lui, il devrait vite se remettre de la vie au lieu de se tromper, là. Ah bah, quoi, il relance encore le sort. Allez, ça va pas suffire. On gagne avec l'événement, putain. Niveau 10 événements, plus 4 d'attaque pour les sorts de la mort. Encore une bonne vie. Putain, on gagne des trucs en masse. Et il m'en manque juste une à éliminer encore. Bon bah. Voilà. Je me rends compte.
peu des points de magie. Oh, un coffre vient de popper. Oula. Yes, c'est 50, c'est 5. Laissez-moi au moins me tuer un solo. Voilà, toi tu viens là. Voilà, bon bah j'ai aucun sort pour pouvoir d'abord un peu... Bon, go. Passe ton tour. Il va se prendre un peu un affolant de feu, on dirait quand on passe. Aïe. Ça là, comme pas possible. Je me protège d'abord parce que je sens que le sort qui va me lancer va faire mal. Ah, vous faites la fin. Bon, en fait, j'aurais dû la détruire maintenant. En fait, bon, bah, je vais lancer mon chêne, le serpent des neiges. Oh, dans d'autres. En fait, j'ai bien fait de me protéger, moi. Voilà. Ça, c'est fait. Oh non. Oh bah c'est une banshee. Tant pis. Elle va vite crever, elle. Oh merde, j'ai fait un flop. Ah lui, il fait partie sans doute de l'école de l'harmonie. C'est ça? Ah ouais. Combien? Oh là là, il s'est tué là. Va, je me mets un sort de son pour le moment. Voilà, ça c'est fait. Tu parviens enfin à mettre la dernière formule magique de l'hurleur. C'est alors que tu découvres une page de livre portant des inscriptions magiques. C'est probablement la page perdue des tempêtes. Ouf. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à aller à Corvoir, voyons. Putain. Bon bah go, on se pas. Allez, c'est parti, on va jusqu'à Corvoir. Bonjour, je vais faire jusqu'à la fin de cette petite mission là, de cette zone, parce que pour le moment c'est jusqu'à Corbois. Je dois être que dans Corbois. Tu rapportes la page perdue des tempêtes? C'est merveilleux! Les formules magiques de l'hurleur ne t'ont pas posé trop de problèmes, j'espère. Je suis bien content que tu leur aies donné une leçon. Ah, ça c'est sûr. Rapporte la page perdue des tempêtes à Harold Laurent dans la bibliothèque. Je vous ferai signe si jamais d'autres formules magiques de l'hurleur font leur apparition. D'accord. Hop, c'est parti à la bibliothèque. Ah, ça lag.
le salon, il m'a connu. Voilà, ça c'est bon. J'ai retrouvé toute la magie. Tu me rapportes la page perdue des tempêtes. Je veillerai personnellement à ce qu'elle ne quitte pas les archives. Mais ce n'est pas tout. Va maintenant voir Arthur Pollux à Corbois, je te prie. D'accord. Arthur Pollux te montrera le chemin pour retrouver Ernestine Tournoir, l'élève des tempêtes tombée sous l'emprise des pages perdues. D'accord. Hé, je crois qu'on va faire pas mal d'allers-retours. Wouah, le cheval. Il est classe. Oh, il est le cheval de cristal, putain. C'est classe. Enfin, bref, go. You, celui... Ah bah, il est là, le mec. Jeune sorcier, tu as trouvé la première page perdue. C'est excellent. Merci. Lui, il était. Comme tu le sais, le chaos règne actuellement sur la confrérie du Carpe Diem. Nous devons absolument restaurer l'équilibre. Oh, je sais que tu es le professeur de l'harmonie, mais quand même. Sur l'avenue Triton, tu trouveras un artefact de l'harmonie, le miroir du docteur D. Il te conduira à Ernestine Tournoir. Va voir Ernestine. Fais le nécessaire pour briser son sort. Reviens me voir quand tu auras terminé. D'accord. Ah, allez. Yep. Je ferme la page. Comme ça. À l'avenue Piton. Allez, go, c'est parti. Ouf. Attends. Voilà. Déjà pour ça. Voilà, au moins comme ça j'ai récupéré toute ma magie. Ça va pas être une mince affaire pour l'année entière par contre. Moi qui vous le dis. Waouh, c'est loin le truc. Par contre, ça, c'est un événement qui y a assez souvent, en fait. Une fois de temps en temps, il y a toujours y a cet événement qui apparaît ici, je vous jure. J'ai pas trop envie de vous faire une ellipse là pour le moment parce que comment dire. Pas parce que j'ai la flemme de me faire une ellipse, non, au contraire. Parce que comment dire. C'est pour
c'est pour gagner un peu pour moi un peu plus de temps pour faire oh non. Ah ouf, il est là. Sur le coup j'ai eu peur. Miroir du ouais. Oui, pour se téléporter. Yes. Wow. Ok, c'est un donjon. On va faire s'unir. Oh. Ah bah tiens, lui. Tu t'apprêtes à entrer dans un drone. Désolé, mec. Ah, tout ça. Oh, wow. Oh, mais pourquoi ils ont quitté les salons? Oh, tant pis, je quitte aussi. Yes. Parce qu'il voulait être sans doute avec des potes, c'est pour ça. J'aime bien celui-là, son dragon, comme ça. À entrer dans un donjon. Oui. Bon, j'aurais dû plutôt me cliquer sur ne plus afficher ce message. Deux, ça sera déjà beaucoup plus facile aussi, je vous le dis. Et c'est parti. On attend. Deux secondes. Aïe, pourquoi c'est moi? Aïe, ça fait mal. Et sauf qui, moi, oui, je me mets une protection, la protection avec bouclier de feu et bouclier de tempête. Il va prendre cher. Celui-là, il va prendre cher. Aïe. On va prendre cher. Qui a le moins de points de vie? Lui. Pour le moment, c'est lui et je vais mettre une protection pour lui. Voilà, comme ça j'ai une petite protection pour le moment. Sur celui avec les pieds, moi j'attaque celui avec les pieds. Ouf, il y a une chose. Et l'autre passe sur l'autre. La première. Thank you.
J'ai bien fait de lui mettre une protection. Je vais quand même faire ça parce qu'on ne sait jamais s'il fait un flop. Quoi ? Viens. Il devra se remettre de la vie. C'est moi qui lui ai dit. C'est moi qui lui ai dit. C'est moi qui ai dit. Il a pas fait de flop. Waouh ! Tout ce qu'on a eu, on m'a s'attend. Ouais. Oh cool, bon, allez go. As-tu lu le livre des pages perdues? Viens avec moi parcourir la spirale et je te révélerai. Non? Alors prépare-toi à subir une tempête. Il n'aurait pas pu prévenir. Bon. Il vaut mieux que je le protège pour le moment. Wait, l'autre il vient nous quitter. Ah non. Là il avait une guitare. Enfin bref. Je vais le protéger comme il l'avait dit tout à l'heure. Il avait dit protéger moi. Oui ou non? Bah, moi! Ah non, je crois que c'était moi sur le coup. Ça, c'est lui qui va prendre le plus cher ou qu'il a plus de points de vie? Il va être sans les protéger. Comment elle va prendre cher? What? Sirène. Ouais, d'accord. Son familier, c'est un bouquin. Oh bah go. Attends, ouais. Oula. As-tu lu le livre
page perdue? Non. Alors prépare-toi à subir une tempête. Voilà. Ah! Ouf, j'ai eu peur. Bon. Bah, je vais lancer ça sur elle pour le moment. Et comment ça se fait qu'il a déjà 3 tonnes de pif? Tout le monde passe. Hein? Pas compris. Enfin bref. Voilà. C'est quoi ce familier au juste? Si quelqu'un le sait, bien sûr. Putain, 1500 points! Voilà, c'est à mon tour. C'est quoi? Oh putain, j'ai fait un flop. Merci. Voilà. Ouf, enfin, je peux lancer enfin ça. Ouah, ça va faire mal. Ça va faire mal pour elle. Enfin, bref, go, prends ça. Les monstres qui attaquent parce que les goûts parce que sinon c'est pas mal. Ça de la vidéo va durer je sais pas combien de temps. Désolé si la vidéo elle dure je sais pas combien de temps. Wow. Je suis vraiment désolée. Ce sont ces stupides pages qui m'ont envoûtée. Me pardonneras-tu? Bien sûr. Et c'est Lily. Félicitations! Tu viens de remporter ton premier badge. Chaque badge ne s'obtient pas aussi facilement que celui-ci. Bonne chance pour les défis plus tardifs. Voilà. Hop, on se tait.
paroi. Et voilà. Tu as réussi à délivrer Ernestine Tournoir de l'horrible malédiction que lui avait infligé le livre des pages perdues. Bien joué, jeune sorcier. Merci. Avec du repos et une bonne tasse de thé, Ernestine sera de nouveau sur pied en un rien de temps. Ne t'en fais pas. D'accord. Youf. Enfin, on a terminé. Sinon, comme je l'avais dit la dernière fois, on allait faire un mini-jeu, là, vite fait, pour voir les mini-jeux pour les familiers, pour les entraîner. Mais putain, qu'est-ce qu'on a mal, on a gagné comme truc. Lequel on va gagner? On va essayer de faire. Bon, on va essayer de faire celui-là, de jeu. Le truc avec les ninjas. Bon, on va faire le niveau 1 pour le tester. Ça va être plus 4 en intelligence. Bon, bah, go. Voici la voix du cochon ninja. C'est une voix ardue, presque impossible. Ton familier y apprendra la douleur, la peur, et il devra essayer plus d'une défaite. Mais s'il fait preuve de courage, de persévérance et de confiance en lui, il pourra relever ce défi, surtout s'il court vite. Il est temps que tu utilises ta caboche au lieu de la servir sur un plateau. Putain, en plus, il y a un temps limité. Wow. Putain, oui. Ouf. Maintenant. Non. Putain. C'est pas mal le bordel. Maintenant. Ah, putain, j'ai failli tomber, moi. Putain, les murs qui bougent. Et en plus, il ressort. Go. Putain, ouf. Ah, putain, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un temps. Allez, go. Putain, vous êtes sérieux, bande de salopards. Allez, on va le refaire. Si ça nous refait le même dialogue, là je passe. Voici la voix du cochon ninja. Il est voilà. Utilise sa caboche au lieu de la servir sur un plateau. Mais d'habitude, ça je le passe tranquille. Putain, moi, une mission. Non. What? J'étais pas sur le bord. C'est de la triche. Enfin, bref. Non, putain.
réussi à passer à temps. Ah, non. C'est bon, j'ai réussi. Enfin, presque. Maintenant. Descends-toi. Merci. Non ! Ah, ça, c'est le piège à con. Oh non ! Bon bah c'est bon, j'ai perdu. Aïe. Bon bah j'ai perdu. Bon bah tant pis. Oh, j'ai été presque. Allez. Ah, on va faire un autre jeu cette fois-ci. Là c'est quoi? Oh, le dance. Je suis fort. Attends. Ah, voilà. On va faire ça pour tester. C'est quoi le jeu? Ah! D'accord. C'est un truc de merde. Ah merde! Je me suis trompé. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouf. Ouais. J'avais juste loupé une fois. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Bah, le feu du dragon. Et on fait encore une fois et ça sera bon parce que j'aime bien ça. Allez, go. Mais cette fois, on a un poil plus difficile. Crocotoker. Presque imparfait. Wouah, je croyais sur le coup j'allais me louper. Oula. Ah merde. Bon bah, coupé. Et on va leur lui donner encore un truc comme ça et ça. Ouais, terminé. Attends, maintenant on fait quoi? Ah, le truc des tissus écarlates, bah ça je le ferai en off. Bon bah sur ce les amis, je crois que on va se terminer là-dessus la vidéo vu qu'elle a duré beaucoup trop longtemps. Je crois qu'elle a duré presque 2h30 je crois même. Enfin bref, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner. Sur ce, Diana.